Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en compagnie de Marsbro. Alors aujourd'hui on va faire le petit donjon Grozilla. Alors c'est Grozilla et Grasmera fatigués cette fois-ci. Donc normalement il n'y a pas de problème, ça risque de bien se passer. On a quand même trois nouvelles quêtes. Donc celle-là c'est pas très important. Mais pour les trucs, on a ça, donc on pourra pas la faire maintenant. Mais ce qu'on va avoir c'est l'émote. Si on fait fatiguer, on aura les modes super-héros avec un petit bonus de 1 million 3. C'est pas rien. 2 millions d'XP à peu près pour ici. Allez, on est parti. On va essayer de faire la vidéo assez rapidement. Alors moi, je connais pas du tout le donjon. Donc je me fie à mes potos. Donc vous aurez pu deviner que je suis en compagnie de Osma niveau 200. De Portistan Zobel niveau 200. L'hélio de Osma 180 et Ossa des Glingues 180 000. Allez, on est parti. On va prendre quand même le pain. Voilà, c'est parti. Donc, je prends ma chair dès le début. C'est quoi? Il est invulnérable, non? Division, infini. Lui, il fait quoi? Ah, faut m'expliquer. Hein. Ah non, bah non, le seul truc c'est juste qu'ils ont beaucoup de points de vie quoi. Il n'y a que ça quoi, je crois. Oh putain, les résistances, comme ça, ils se complaisent les gars. Oh, 2000! T'as quand même sévère. Putain. Tu leur invoques 1500 PDV au calme, j'ai envie de dire. C'est tout à fait normal. Ouais. Je suis pas le seul à être étonné apparemment. je suis désolé si mon PC fait un peu de bruit parce que je suis en train de le faire charbonner là, je suis en train de compiler une vidéo en même temps. Alors forcément, il est pas content. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on tape hein, tout simplement. Et voilà, il est pas vulnérable. Il peut prendre des dégâts. Voilà, donc prends des dégâts, s'il te plaît. Bon, 10 000 points de vie, c'est pas trop la mort non plus, j'ai envie de dire. On va pas mourir pour ça. Par contre, celui-là, apparemment, il a l'air de roxer. Bon, ça va, on a quand même une bonne équipe, donc ça risque de se passer assez bien. Puis avec deux Ossa, pire des cas, on est réanimé avec l'aise spirituelle. Il me semble qu'ils ont encore ce sort. Oui, ça n'a pas été enlevé. Donc là, on va devoir les tuer. Bon, de toute façon, oui, on a un petit heal. Enfin, les Ossa, de toute façon, ils heal un minimum. Donc c'est cool, de toute façon, ils sont full intel. Enfin, full intel, Vita, mais staff intel. J'imagine. Donc là, il va. PM qui est du Doku. Non. Ça c'est pas cool pour le bal. Ah non, non, ils veulent vraiment Osma. Moins 1100. Il doit tellement rager Osma là. Eh ben. Oh, je m'en fous, moi je me suis pris que 400. Et écoutez, je crois qu'on va devoir les taper de loin. En plus, 5 PM, les machins, ça rigole pas. Et en plus, ils attirent en ligne. Ouais, c'est pas de la blague. Et puis leur petit truc là, ils. Oh, on est 1200 en diagonale quoi. Et OMG! Putain, moi je vais me mettre invisible dès le début, hein, j'ai l'impression. Il y a focus là. Ouais, bah attends, t'es pas le seul à prendre cher. Hein. J'avoue que c'est quand même plus focus que moi. Ouais, écoutez, hop! Non! Voilà, on tente la vieille technique du double. Je sais pas si ça fonctionne bien sur cela. Oh, putain, mais ils ont tellement de résistance, je tape n'importe quoi. Genre, il a même pas pu jouer.
Ah ouais, d'accord, on a un truc subi des dommages supplémentaires. D'accord. Oui, il faut faire gaffe à ça. C'est quand même assez galère comme donjon. Très rapide, peut-être. Les deux, les trois, je crois qu'il y a trois salles. C'est assez rapide, mais c'est tout. Ouais, c'est tendu, tendu. Peut-être parce qu'on est, on est nombreux aussi. C'est plus fort quand on est nombreux. Allez, le Dooku, Osma va nous quitter ou pas? Non, c'est bon. Il a réussi à le bloquer. C'est cool ça. Là, ce truc-là, dès que c'est bloqué, c'est fini quoi. Ça ne vaut plus rien. Bon, ça, bon, on les diminue. Ils sont arrivés à 7000 PDV, c'est pas trop. C'est pas mal. Bon, je vais voir ce qu'il peut faire. Ah, c'est cool. Ouais. Vous voyez, on double l'attaque. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Bon, sinon, il a tout simplement décidé de pas bouger, cet enfoiré. Bon, ça m'arrange. Je vais pouvoir le cac et faire 2 AM. Histoire de le redescendre à 6000. Voilà. Osma, lui, il s'occupe du Grozilla. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Alors moi j'entends le PC charbonner à fond là. J'espère que c'est pas trop bruyant, étant donné que le micro est assez étant donné que le micro est assez pointilleux au niveau du détail. Dès que je tousse, ça grésille. Donc j'espère que c'est pas trop chiant. Voilà, bon, 6000 points de vie, c'est pas trop mal. Par contre, oh, ça, c'est très mal placé. Faire gaffe quand même, parce que s'il me rechoppe encore une fois, je risque de crever. Merci à toi, Portisa, Tista, pardon. Bon, ça va le faire. Bah, bien sûr que ça va le faire. On n'est pas si nul que ça quand même. On n'est pas en train de faire la série des bronzés sont là. Il n'y a pas d'idole. Tout va bien. oui, tiens, pour information, ça fait quand même assez de. À peu près 2 semaines que j'ai présenté l'annonce, on va dire, de la série. Pour préciser que c'était qu'une annonce, donc ça ne veut pas dire que je vais la commencer maintenant, tout simplement. Étant donné que j'en ai pas forcément vraiment de temps, et c'est assez rare qu'on se reconnecte en même temps avec, avec ma guilde. Donc on n'a pas les mêmes horaires, tout simplement. Moi je travaille le soir, et eux ils jouent souvent le soir. Des fois le matin, mais c'est rare. Donc là, nous, ce matin. On est quand même assez nombreux, donc on se permet de se faire un petit donjon. Bon, ben voilà. Ça reste tranquille. Voilà. Vous m'avez compris. Normalement, vous inquiétez pas. Normalement, si vous attendez vraiment cette série, elle va arriver dans pas trop longtemps. Hein. Je pense que vous pouvez compter dans la semaine prochaine. Ça, les 2-3 premiers épisodes vont arriver. Il y a pas de souci à se faire là-dessus. Et il se barre, c'est pas cool. Et puis il est parti loin, ce foiré. Pourquoi il est parti là-bas? Quelle est ta logique? Ah, puis en plus j'ai 14 PA et je vais pas pouvoir les utiliser bien. Un peu déçu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, si je fais 6, 6, mais... Je vais crever, moi, si je fais ça. C'est obligé. Quoique, attendez. 6, 2 AM, 8, 9, 10, 11, 11, 2 AM, une arnaque et invisibilité. Pense que ça peut être pas mal. Je sais pas. On va voir ça. Bon, allez, on va faire ça.
un peu des fous. Les deux tags. Voilà, et hop, au revoir. C'est un plaisir. 3700 points de vie, donc il est quand même bien descendu. Donc ça, c'est assez cool. Ah, je croyais qu'il allait attaquer. Ouf, il plie à 2000, autant que ma vie. Osma a plus de boucliers que de vie. Bon, allez, 3300 points de vie. Grosilla qui est coincé, mais il va bientôt se débloquer, je pense. Puis, il a pas l'air de taper les invoques. Alors, est-ce qu'on va pouvoir tuer... Il lui reste 90 points de vie, donc c'est cool. Je pense que, à mon avis, quelqu'un va le tuer avec au moins un des Ossa. À moins que le groupe puisse faire quelque chose. Je sais pas. Pire des cas, on a Osma qui est là. Avant qu'il joue. Voilà, donc à mon avis, là, il va le tuer. Pour un peu qu'il fasse attention quand même. C'est pas rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tapé combien là? 600, bah ouais, c'est propre. Il a fait du 1000. Du 1000 sur le petit Grosilla. Ok. Et voilà. Grasmera qui est mort. Assez simple. Le début de donjon était assez difficile, on va dire, parce qu'on a eu peur. Mais après, finalement, ça s'est bien passé, on va dire. Bah, faut dire 4 gros persos, enfin, non, on va dire 5 gros persos. À 5, ça passe largement. Mais je pense que quand on est 4, c'est quand même moins puissant. C'est le genre de truc, vous savez, qui il me semble. Je crois pas que c'est tout le temps niveau 375. Ça doit monter tout le temps. Donc je sais pas. Ah non, là par contre, t'as fait une bêtise. Oh non, quoi que je pourrais le taper. C'est bon pour moi. Combien de boucliers là? Ok, tu tiens combien de temps? Un tour, ah merde. Ouais. Écoutez, on va taper. En espérant que mon double après revienne là. Il a quelque chose contre lui. Non. Il n'y a plus qu'un seul ennemi. Donc c'est obligé. Petite maîtrise. Voilà. Que 400. C'est ouf. Hein. Voilà, normalement mon double va se placer. Voilà, parfait, il bloque. 3500 points d'EV. Au tour 7, il est fini. Je pense pas qu'il va faire 3500 lui. Oui, je pense que le succès duo, il est faisable. À la limite, je pourrais peut-être même essayer de faire un solotage. Parce que franchement, en étant invisible, ça peut être easy. Là, il est mort. Voilà. Passez votre tour, hein, je le finis.
Voilà, donc ce sera moi qui aurai le dernier mot. GG à tout le monde. Voilà. Personne capture, j'imagine. Il faut pas que quelqu'un capture. Voilà, un petit gros îlot Grasmera. C'est fatigué, voilà, c'est ça. Donc on a notre émote, on va regarder ça. Alors attendez. 3 millions d'XP, ça va, c'est pas trop mal. On va se mettre là. Donc là, deux succès, voilà, ça fait 5 millions. On augmente bientôt 193. Notre petite émote, on va se mettre en crâne, tiens. Super héros, ça serait où? Merde, c'est où? Super héros. What? Attendez. D'accord. C'est un peu bizarre. Ok, bon ben voilà, on a fait deux petites quêtes, c'est cool. Il nous reste normalement, il nous reste. Voilà, il nous reste à peu près tout. Non, qu'est-ce que je regarde ça? C'est pas du tout là. Et il y aura celle-là qu'il faut faire. En fait, c'est un peu plus dur. C'est l'épuisé ou somnambule. Donc je pense que c'est un peu plus chaud. Ou pas, parce que j'ai l'impression que. Non, non, c'est plus simple. Donc voilà les bros, j'espère que ce petit donjon, enfin cette vidéo, vous aura plu. Alors, je vous dis à très bientôt et ciao ciao!